J'ai tendance à bloquer là. Ah, vas-y. On se casse. Il a dit le mzé, il parle pas comment rien. Ouais, t'as vu ça? Tu parles comment rien toi, Cédine, non? Qui est comment rien dans le chat? Enfin, originaire des îles comment? Après, ouais, certains disent ouais, je t'en parlais arabe. Mais après, je pense que mzé, je pense qu'à mon avis, je sais pas si vous êtes au courant, il y a des mots comme ça maintenant que les Français disent. Genre Mapessa. Mapessa, c'est les sous-sourds en comorien. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui le disent alors qu'ils ne parlent zéro mot comorien. Mais je pense que c'est démocratisé. Et à mon avis, dans le sud, comme il y a beaucoup de Marseillais, beaucoup de comoriens à Marseille, forcément, ça déteint. De quoi? Comment ça, moi? Comment ça, moi? Écoute, qu'est-ce que tu veux, tu vois? Ah, je vais rentrer à la maison, je vais dormir un peu. Tu fais quoi, toi? Tu fais quoi? Hé, hey, qui me braque, là? J'habite ici, là. Eux. Oh. Un peu gosse. Mais comment, c'est quoi, ça, là? C'est quoi, ça, là, le bordel, là? Ah, d'habitude, c'est ton parent. Je suis désolé, tonton, désolé. Oui, c'est okay. Ça. Mais vous arrêtez de faire des bruits dans mon café, là, c'est comment, ça? Pardon, tonton, viens, on y va, venez, on y va. Allez, dégagez, là, circulez un peu, là. D'aller manger. C'est quoi, ça, les bêtises? Bon appétit, bon appétit. Tu fais quoi, tu marches sur ton nez, comme si c'était tout parmi. Moi, tu vois, j'ai pas besoin d'y voir, on va manger du poulet. T'as dit quoi, la petite pingouin? T'as dit quoi, petit pingouin de merde? Niqué, tu vois. Mais c'est qui? Il a dit quoi, là, enfin? C'est ça le poulet mafieux, wesh! Laisse-moi entrer! Laisse-moi entrer! Dégage! Aïe! Dégage de chez moi, là! Petit pingouin, là, dégage! Tu chips qui, toi? Arrête! Voilà! Tonton, pas tonton, je t'encule! Mais là, dans ma maison, comme ça, là! Tu prends, moi, tu me chips pas! Alors tu vois par exemple, regarde, tu vois le ton pingouin le free kill que tu fais là? C'est pas un balas. Quoi? C'est pas un balas. Bah il est mort, regarde derrière toi. Il est pas comme moi. Il est KO, c'est tout. Et arrêtez de vous mettre devant chez moi là. Ça fait deux fois que je vous dis ça. Bon arrêtez. les gars, vas-y, cassez-vous d'ici s'il vous plaît, le plus un peu plus loin s'il vous plaît. Allez dans votre quartier là, des violettes là, des petits pyjamas violettes. Allez là, à droite là. Tiens, la boutou magique, on est d'accord là. Oh, ils sont mauvais, vas-y. Moi, t'as des gains. J'ai donné un dollar. Dégage, toi, là. T'as vu, mais. Je suis enculé. Tonton, lâche tonton. Ah, pas mais tonton. Il met des patates, frère. Tu vois, mais tonton. J'habite ici. Sauf que moi, y'a pas de tonton. Moi, je suis pas balasse. Il est sénégalais, c'est normal chez lui. Non, mais je suis pas balasse. Mais moi, tonton, pas tonton, je l'encule. Non, faut pas frapper tonton. Comment ça, tu balasses, là? Balasse les couilles, là. Allez, dégage un peu. Oh, sors de la propriété à tonton, viens, sors, viens, on se casse. Mais j'ai travaillé toute la journée, quand je rentre chez moi, les gens sont comme ça là, les jeunes là, arrêtez de vos bêtises, laissez-moi rentrer là, travaillez dur là, là le verre de dos. Eh vas-y. Pourquoi vous les noirs là, les faux noirs que vous êtes là, vous restez avec les armes, drogués, c'est quoi ces jeunes là? Je connais vos parents. C'est qui parle? Tonton. Je connais vos papas, vos mamans, ils ont traîné dans la rue, ils ont travaillé, vous faites de n'importe quoi là, dans les quartiers pauvres. Plus la seule gueule, vous n'avez pas d'argent, voilà, vous faites de la drogue, tout ça là, ça c'est pas bien. Vous allez regretter là avec vos têtes de chicot. Mais c'est lui là avec sa. Cousine maman, arrête, c'est tonton, arrête. C'est les anciens balades. Allez vous amuser, faites les gangsters à l'arrière là, faites les pipiou là. Arrêtez de planter l'arme, je connais vos parents, j'ai travaillé dans ici dans longtemps, j'ai vu dans ce quartier. Depuis que vous êtes là, vous faites n'importe quoi, tout le soir il y a des bruits de voitures, des bruits de motos, des bruits de coups de feu, ça je n'apprécie pas ça. Je suis avec ma femme Fatou, nous sommes là, nous avons des enfants, nous allons déménager vraiment, vous dérangez. Vous dérangez, vraiment. Je connais le chef de gang, passez-moi le chef là, votre chef. Bande de petits là. Tu veux savoir, c'est moi l'ancien chef. Mais avec ton tête de Pakistanais raté, arrête ton bêtise. Ma tête, tu vois. Rien, t'es plus chef. Enlève tes lunettes là, si t'es un vrai chef, on doit voir ton regard. Le regard en dit long. Là, on dirait que ton regard est pile et puceau là. Il a jamais vu la femme, il veut même parler. Tu vois mon regard. Tiens le regard, regarde le regard de drogué. Ça, c'est pas le chef là, le chef ne consomme pas son propre drogue. Frérot, sans matériel. Gagne ta coupe de cheveux, je mets pas de bite. Et toi, mets-toi à ma hauteur là, avec ta petite bouche d'enfant là. Mets-toi à ma hauteur. Ouais. Les balasses,
toi. Allez, c'est ça, dégagez des chiens de mon chez moi là, j'appelle. Vous voulez que j'appelle la police? Appelle. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me pointes? C'est sérieux, problème. Mais il se passe quoi ici? Sortez de chez moi là, putain. J'ai travaillé ici toute la journée là. Vous me dérangez, c'est catastrophique. C'est un habitant, wesh, laissez-le. Rentre chez toi alors. Ferme ton gueule, petit blanc. Laisse-moi tranquille. Bah rentre. Non, c'est même pas drôle. Ah merci. Mais non, mais. Non, mais les gars. Le quartier est pas en couille à cause de vous là. Bah ouais, mais normal frérot, il est pas en couille, t'es masqué, il vient de faire quelque chose. Ouais, peut-être que je l'ai entendu, mais je sais pas. Et pour vous, ça a été waouh la révélation. Vous avez dit, ah, mais là, c'est un vrai artiste en fait. Encore, voilà, on s'est le fond sur les. Tiens, je bois du thé et je vous dis à la voûte. Je travaille à la voûte. Voilà, déposez-nous ici. Merci beaucoup. Allez, vas-y, on entend moins ta grande gueule. Allez, vas-y, va en frontal. Allez, va les voir. Vous voulez quoi? Monsieur, je suis habitant du quartier. Je suis avec mon ami, monsieur Manipluquin. Comme vous le savez, c'est un artiste. Commandant, chef, il y a deux mecs bizarres là-dedans. Ce n'est pas bizarre, monsieur. Je suis habitant, j'habite dans ces maisons-là, juste à côté là. Ouais, mais c'est pas votre quartier. On vous demande de faire moins de bruit, arrêtez de faire les deals. Il y a des enfants, mes enfants ici traversent la rue, il y a des écoles à côté. Arrêtez de faire vos maquillages de Mardi Gras dégueulasses là que vous êtes avec vos têtes de chicots d'agneau. Il veut copier ma fille du soleil. Mais il rigole. Vous n'avez aucun droit sur moi. C'est un fiasco total. Écoutez, mon ami, c'est un fiasco total. Dites-le, monsieur. C'est un abruti total. Vas-y, on va y aller. C'est dommage. Je vous tire toujours pas les couilles. Vas-y, les gars, c'est un paumé, ce type. Je vous avoue que. Monsieur, on va vraiment vous tirer dessus, les gars. Et monsieur, vous n'avez pas le droit si on se met ici. Vous n'avez pas le droit. Bref, décalez-vous. Nous ne sommes pas dans votre quartier de merde, de pauvres, de sales pauvres. Excuse-moi, si t'es pas content, tu pars. Je t'emmerde, toi, ta femme, ton papa, première je le connais, ok? T'as dit quoi? Première sommation. J'ai ridicule de A à Z! T'as dit quoi, frérot, en fait? Deuxième sommation. Sa maman, je l'ai baisé plus d'une fois, sa maman. Tu parles pour rien dire. Eh oui. Sa maman, je l'ai baisé, sa femme, là. Je l'ai baisé, sa maman. Non. Monsieur, vous n'avez pas de bouche pour parler, c'est quoi la répartie? Vous n'avez pas la répartie? Dernière sommation. Ça va de soi. Le gros sauce, faudra peut-être apprendre à voir. Écoute-moi, cher. Putain, mais il est con lui aussi ou quoi? Putain, mais t'es con, grosse merde, va. Il raconte n'importe quoi. C'est un pauvre type. Ouais, butez-le là, hein, puisqu'il fait n'importe quoi. Butez-le vite. Voilà ce que je vois. Elle meurt très bien maintenant, il reste au sol. Excusez-moi, les gars, on a un pistolet. Eh bah oui! C'est ce qu'il fait! Depuis il a encore coupé. Voilà les codes B, les gars. Sa mère la pute. Maintenant, code B en frontal, les gars, sur les violets au fond là-bas. Je veux voir une voiture en pleine balle, voilà. Voilà. Un frontal. Donc c'est absurde. Oh, bon, c'est le bordel. Quelqu'un peut pas? Laisse parler les gens parce que t'es un peu impatient. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il se passe ce genre de choses dans un quartier? Non. Toi, tu dégages. Vous trouvez ça très RP? Ah, niquer leur scène. Bah, c'est toi qui es pathétique, ennuyeux. Tu essaies de les comprendre, t'as pas de bon sens. Tu manques de maturité. Mûris. C'est à cause de tu rends pas service aux autres. Parce que tu critiques, mais qu'est-ce que tu fais? Trois personnes sont venues, on pense à quoi les dérange. Merci, monsieur Manipluquin, vous pouvez. Dites-leur. Oui, je t'entends, oui. On leur a dit de décaler gentiment, on leur a fait les trois sommations. Ah oui, j'ai raison, pour ridiculiser. Et puis c'est parti en couille, le taureau. Mais arrête, t'as rien fait, tu joues même pas ta scène, mec, je suis en live sur Twitch. On a tout vu ce qui s'est passé. Ça va de soi. Tu fais le que tu friquis, t'as pas de répartie, t'es mauvais. Je parle à toi, bien sûr, je parle à toi. C'est pas mal, c'est celui qui est au sol. Tu fais du friquis, là. Moi, j'ai reçu un report, je me suis dirigé sur la scène, parce qu'on dit que dans un quartier, il y a des gens avec des mitraillettes sorties. Je sais pas quoi, on a REC, on a les trois somas, on a tout, frérot. Les trois somas, ils sont en zone sensible. On a les trois somas, on a les REC. Mais qu'est-ce les trois somas, tu joues même pas RP, alors ferme ta gueule. Donc t'as tout faux, mon vieux. T'as tout faux, mec, hein. C'est le membre du staff qui m'a dit de venir sur place pour justement essayer de faire un peu d'éducation à RP. Et effectivement, j'ai avisé, je me rends compte que, par exemple, le monsieur là avec la barbe, il a une arme lourde sortie dans un quartier. Il est ridicule de A à Z. Tu n'es pas censé. Le MSRP, il est où dans tout ça? On n'est pas ballast, t'es con quoi. Mais on s'en bat les couilles si vous êtes pas ballast, alors cassez-vous là avec vos dégaines de capote là, toutes trouées là, dégagez. Je comprends pas. Bon, dans tous les cas, moi je vais faire mon rapport. T'as pas de répartie, mec, t'as zéro répartie.
T'arrives même pas à défendre ton personnage et ton background. Tu ne sais rien, tu fais que tirer sur les gens. Tu fais de la peine. Je t'ai fumé en RP, alors ferme ta race. Reconnais-le. T'as rien fumé du tout en fait. Tu fumes juste. Mais gros, t'as rien fait. T'as rien fait. T'as même pas le droit de me friquer ici. T'as pas le droit de me friquer ici, connard. Mais on t'a pas friquillé. T'as friquillé. Si, t'as friquillé. T'as un abruti total. Ne t'inquiète pas, de toute façon, le rapport sera fait. Ils seront vite fait ban. Putain, c'est ouf. Sur ce, je me TP. Là. Bon les amis, on va leur dire de jouer comment comment les... faut jouer RP parce que là le problème c'est que là dans le quartier ils ont tout la merde. Ah, il y a l'admin. En fait, tout le monde. Il y a les... Ah enfin, les... t'es là, admin, ouais, là c'est n'importe quoi, non, là, attends, depuis tout à l'heure. Parler. Ouais, ouais, mais non, là c'est urgent, là, y a pas... et personne joue RP, je, en fait. Je suis désolé, non, je c'est vrai, désolé. C'est n'importe quoi depuis tout à l'heure. Je suis en live et... Je sais, ouais, mais okay. Je vais t'expliquer, en fait, depuis tout à l'heure. Moi, je me présente, je suis nouveau Ojibalas, d'accord. Donc, ouais, l'organisation... Et pourquoi c'est le bordel, en fait? C'est ça que j'ai envie de comprendre, on peut même pas jouer RP. Non, mais je t'explique, il y a les... On a fait les 3 tiers de sommation pour les Bloods. Les Bloods... on a fait 3 tiers de sommation, on a fait tout ce qui était correctement, les 3 tiers de sommation, on a attendu 5 secondes après les tiers de sommation, gars, tu vois, ça passe. Mais admin, tu peux raise, il y a une demoiselle là, qui était là, là. Ouais, il faut la raise, elle avait rien à voir à l'histoire, la genre, pauvre. Genre, on est là, on attend 5 secondes admin, après t'es là, ou pas les trucs. Laisse-moi juste parler. On attend 5 secondes avant les tirs, on recommence, on fait les tirs. Ils ont fait des appels, après, ils t'ont insulté, c'est ça papillon, si bah, viens le dire au papillon, ouais, il est là. Ouais. Donc on arrive, on fait attends, bouge pas. On attend les... Voilà, hop, ça va me cover, quand je fais une meuf, c'est normal, c'est avec tes covers. Attendez, le papillon il arrive. Non mais le problème, c'est que tu joues pas RP, mec. Attends, mais t'es avec tes potes, tu casses les couilles, tu niques toutes les scènes. Vous tuez tout le monde ici, on approche à peine à 10 mètres, vous tirez sur tout le monde. Vous proposez rien, c'est normal. On était prêts, les gars. Écoute, laisse-moi parler. En fait, là, je suis désolé pour l'organisation qui t'a mis une tête. Qui pète, là? Moi, je voulais, quand je suis arrivé vers toi, j'ai fait, oui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à l'habitant? Genre, je suis... Voilà, je suis... Exactement, je suis pas dans votre quartier, je suis un habitant juste à côté. Oui, en fait. je sais, oui, mais justement, je suis venu à côté de toi pour demander qu'est-ce qui se passait et tout, pourquoi t'étais venu, ta requête. Je veux écouter toutes les requêtes des habitants, je vois pas pourquoi aucun habitant ne se... Ouais, mais ils m'ont buté, tes potes. Oui, mais ça, j'étais pas d'accord avec ça, et moi, je pouvais rien faire parce que c'est une organisation. Ça, le problème, c'est que c'est une organisation, j'aurais pu rien faire. Je suis sincèrement désolé pour... Ouais, mais d'accord, ok, toi je te comprends, mais dis à tous tes potes d'arrêter de faire du RP et qu'ils aient sur GTA Online, hein, sérieux, c'est ni fait ni à faire. T'as des gamins qui ont même 13-14 ans, ils prennent des guns et ils sont plus pissés, ils tirent sur tout le monde. Ah, c'est vrai, mais regarde, cette pauvre demoiselle, t'as rien demandé ça, tu t'es fait buter de... Non, j'ai rien demandé, non, mais après je me suis fait insulter. Ouais, madame, je suis désolé pour toi aussi, je suis Audi Balas. Non, en fait. Ouais, mais c'est une streameuse, regarde l'image que vous renvoyez sur Twitch, je sais, les gars. Je suis désolé, totalement. Moi, je leur ai mis un coup de pression, il y a même pas 5 minutes contre le mur. Je vais mettre un coup de pression pour mettre son mur. Là, je suis vraiment désolé pour vos lives. Ouais, si non, mais je moi, dégâcher. Je m'excuse pas en fait. Je suis là. Ouais, je comprends. T'es énervé. Direct, ouais. Bah non. En oui, fait, oui, non, non, mais je comprends. Ouais, genre, je comprends pas. Au nom de tous les balas, on est désolé. Même non, si mais pas c'est du sexisme, excuses, les gars. C'est pas grave. Vous allez pas être agressé sur elle, les gars. Donc, je vous explique. On a fait une tir de sommation par rapport au blues. Et c'est bien passé par rapport au tir de sommation et tout. Mmh. Sauf que vu que, vous savez, c'est une zone de guerre. Mais ici, en tournant rond, tu répètes la même chose, ouais. c'est chiant là, c'est bon. Ah bah écoute, moi je suis désolé pour vous, désolé. Je me suis excusé, on était en zone de guerre. Bah ouais, mais les gars, jouer RP, et, en bah, plus okay, c'est bien passé. Attends, comment ça? Non, je règle pas la guerre. Bah le rond, j'avais le LP là, on était bien, Et les gars, arrêtez de refuser des mauvais aussi. Bah c'est pas ma faute, frère. C'est voilà. Il est pige de 12 ans, quoi. Ah! Il est ban. Excuse-moi. Non, tu fais quoi là? Mais pourquoi il lui met un coup de cut à la fille là? Mais parce qu'en question, c'est la ville, mon gosse. Arrête de faire ça! Non, mais c'est pas moi! Arrêtez. Ce n'est pas moi! Il est ban perm, ça y est, j'étais là, paniquez pas. Il est tardé, mon gars. Mais t'es con ou quoi? Elle va pas sortir avec toi sur Discord, mec. On les connaît, les charros qui vont pécho des meufs sur GTA. Vas-y, dégage là. J'en ai rien à foutre de ça. Mais si, bien sûr, t'as tant qu'à harceler. Harcèle la meuf, on dirait un primaire qui veut sortir avec une meuf avec Sophie. Écoute, je vais te parler clairement à toi. Je suis Ojibala, je suis venu m'excuser parce que j'ai gâché mes paroles. Mais ça fait 10 minutes que tu t'excuses en fait. Et toi, déjà, je me suis excusé. Commence pas à me casser les couilles parce que j'ai peut-être gâché. Comment par contre, tu vas gâcher les couilles quand même. Ouais, et alors, j'ai rien à foutre de personne. J'en ai rien à foutre que je sois avec personne ou pas. Je suis venu pour m'excuser, tout ce qui est poli pour ton live. Certes, ton live
a été gâché par ça. Je peux comprendre que ça peut t'énerver et tout. Moi, je viens m'excuser. Certes. Oui, mais nous, on veut pas des excuses. On veut que tu agisses, en fait. Yeah, how are you doing? Mais là, on va. Toi, arrête de parler. Toi, je sais que voilà, tu veux qu'on agisse. Là, on attend tous que mes hommes soient élevés. Et après, on les met contre le vieux. Normalement, il y a une réunion ce soir. La réunion va être faite. Maintenant, toi, tu veux pas des excuses, c'est pas grave. L'action, elle sera faite en tout cas. Toi, t'as eu tes excuses. Vous avez eu des excuses. Je vous passerai de l'argent en dédommagement, ça je peux comprendre. Ah, moi je veux de l'argent direct parce que là, je vais sur une autre scène. Y a pas de problème, toi t'as de l'argent. Toi, si tu veux un truc, y a pas de problème. Tu veux voir les ajustements, y a pas de problème. Tu veux faire un truc, y a pas de problème. Et du coup, ils seront mal les gars qui ont mal joué là, du coup, ton équipe. Ils auront un wipe. Ils auront un wipe. Bon, on a eu ça les gars ce soir, les gars. Bravo les mecs. Vous êtes pas contents, je peux comprendre. Enfin, lui, un peu français, s'essuie un peu la réalité, mais ça fait plaisir. Honnêtement, me faire cracher à la gueule pour des trucs que j'ai peut-être pas fait. Enfin, I love Palestine, Israël. Non, c'est non. Fermez-la. Tout le monde se tait. Sauf vous deux, excusez-moi. Ok. Attends, bon, et du coup, c'est parti où les gamins là que t'as... Ils ont été ban. Ils ont fait quoi là? Là, on l'en voit plus là. Montre, alors, pour être vraiment sûr, comme pour la jeune streameuse, là, tu nous montres devant, comme ça, on peut. Parce que je pense que c'est sincère. Mais je te montre voilà, comment tu veux leur parler et tu leur dis voilà, de s'excuser, de. Voilà, comme ça qu'on voit qu'il y aura du changement. Toi, une fois que tu seras mieux, tu vas t'excuser à la dame et aux habitantes parce que ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est pas normal. Ça, je viens de te dire. Ensuite. Vas-y, excuse-toi maintenant, t'as dit. Il parle pas, il répond pas. Excusez-moi pour tout à l'heure de ce qui a pu se passer. Ok. Malgré que je ne sois quand même pas au courant de ce qui s'est passé, mais je m'excuse quand même. Hey, how are you doing? Ok, c'est bon. Et la Renault. Ok, maintenant lui l'autre, il s'est excusé, c'est bon, vas-y, maintenant oui. Lui, vas-y. Il faut qu'on s'excuse à eux, parce que c'est un petit peu, parce qu'on a un peu gâché leur stream, on a un peu fait un petit peu un manque de respect, je trouve. L'honneur sur Twitch, bah, tu vois, moi je m'en fous de l'honneur techniquement, mais c'est quelque chose qui passe. Ça, il faut qu'on s'excuse pour leur live, parce qu'ils ont été gâchés par eux. Ah ouais, on a fait des vraies scènes et ça a été gâché par vous, quoi, les gars. Voilà. Ok, très bien, pardon, attends. Je vais reprendre depuis le début. Pardon, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, il n'y a que des trolleurs. Donc, du moment où je vois une voiture qui arrive ou quoi que ce soit, je mets le balai. Vous tirez sur tout le monde aussi. Oui. Là, il n'y a pas cherché à s'excuser. Tous les balas s'excusent auprès d'eux. Bon, moi, je m'excuse auprès de monsieur. Je m'excuse. Ok, c'est noté, ouais. Sur le live, ils écoutent, ouais, ils vous entendent. Là, je vous entends. Lui, il est par contre, lui, là. Écoute-moi, toi. Toi, là, viens t'excuser. Je vais avec Moon. Regarde, lui, là, tu vois, il fait genre, il est au téléphone. Vas-y, réprimande-le, là. Le violet, là, qui est parti derrière, là. Il fait genre, il est au téléphone, là, lui, là. Vas-y, attends, bah, bouge pas, je le prends. Ok, merci. Sniper. Bachir, attends, il y a un otage, là. Attends, Sniper, excuse-toi à eux. Et enfin, aux deux personnes, là, pour avoir gâché leur live. Tous les balles vont s'excuser à ces deux personnes. Ouais, parce qu'on leur a manqué de respect sans faire exprès, en gâchant leur live et leur scène. À plusieurs reprises, Scène RP et live. On s'excuse aussi par de la part de leur gars qui vous a tué. Moi, je pouvais rien faire parce que c'était une organisation. Mm-hmm. Sachez-le. Un gang a peur d'une orga et ça, bah voilà, malheureusement. Donc, au nom de tous les balas présents, encore en vie actuelle et qui sont pas pris en otage, on se retrouve. Ok, même celui qui a le pistolet là, excusez-nous. En ok, excusez-nous. On est vraiment désolé. C'est bien ça. Moi, je voulais pas vous manquer de respect comme ça et je déteste manquer de respect aux gens. Bon, j'espère que les autres gangs ils sont pas comme ça. Hein. Je vais aller voir les. Les Families, on verra bien. Et les Vagos, ouais, j'espère qu'ils sont pas comme y a ça. Y a pas de problème. On va essayer de faire des scènes avec eux, on va essayer, mais s'ils font de la merde, on va avoir un staff. Je suis désolé de l'honneur qu'on donne. Attends, Thiago, ce que c'est. Ouais, quoi. Du coup, mon RP, c'est pas dans votre quartier, ma maison elle est collée là-bas en fait. Ouh. Elle est pas loin de l'entrée de votre quartier là, donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils comprennent. T'es quand même habitant. Ouais, voilà, ça arrive des Renois qui habitent dans des cases. Et là, je me fais tirer dessus et je meurs. Je comprends, c'est chiant, je comprends. Ouais, c'est chiant. Attends, bouge pas. Donc vous voulez quoi? Ouais, en dédommagement, pour la demoiselle, de l'argent, je pense, et moi, mon perso, il est pauvre de base, donc. C'est trop proche, je veux dire, on a nos gars d'otage. Ouais, allô, radio. Ouais, toi, t'aimerais combien? 30 000, 40 000? Ouais. Au moins, je vois. Excusez-moi, les gars, parce que vraiment, on a nos gars en otage pour ça. Ok, mais là, me dites pas que vous faites une scène sans nous, là. Oh non, mais c'est pas possible, ça. Comment ça? Ça s'excuse, mais après, ça fait des scènes. Si vous faites des scènes en loose day à côté, là, les gars, sans nous. Attends, j'ai coupé ma radio. Mais excusez, les gars, parce que moi, je connais pas du tout votre personnage, je sais pas du tout ce que vous faites. Hein. Bah, moi, je suis un habitant du quartier et elle, c'est la fille d'un de mes cousins. Elle voulait me rendre visite. Ok.
Non mais... Bah, faites pas des scènes, faites pas des scènes les gars, là on en a cherché, arrêtez de faire des scènes en loose day là, on est en live en plus. C'est quoi ce bordel? Attends, me dis pas qu'il fait des... Attends, il fait pas des scènes j'espère. Eh, hey, attends, tu t'es pas en train de faire des scènes sans nous, hein? Non, non, on fait pas une scène. Ah, okay. Donc, là, ce qui se passe, c'est que moi, je voulais parler avec vous tranquillement. Vous voulez pas parler. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous avez mon garde otage. Dites-moi là. Mais il fait quoi, le bus, là? Ah ouais, t'es en scène, en fait. Vas-y, t'es en train de kiffer, t'es en train de jouer et tout, alors que nous, on est en déj. Ouais, bah... Prends-moi, Je vais pas les grosses couilles. Ouais, attends, on a un HRP, je reprends mon perso après, là. Je vais voir avec ton chef, là, pour qu'il me dédommage avec mademoiselle. Ouais, pas trop. Attends, j'ai pas entendu, répète. Vas-y, on s'écarte parce que là. Ils sont en scène, on est d'accord. Ils sont en scène. Alors, ça. Bouge pas. T'as vu ? C'est qui ce monsieur là ? C'est qui ? Monsieur, répondez là, je suis avec mes amis du quartier là, ils sont gentils les violettes. Ah, c'est votre ami lui ? Non, je l'ai déjà croisé, mais il faut le questionner. Monsieur ? On est en train. Oui ? Monsieur avec lui, monsieur. Bonjour, monsieur Benchich. Hein ? Ah, t'as été. Hein ? Quoi ? Attends, je crois que je le reconnais, t'as été Benchich toi ? Ah, d'accord, c'est l'histoire entre les deux biens. Eh, attends. Non, c'est pas eux, c'est pas eux, ouais, ils sont irresponsables, ouais, parce qu'ils ont fait n'importe quoi sur le HRP, mais comment ça, t'as été ban? C'est l'hôpital qui fait de la charité, frérot. On se connaît Mida dans Dev, j'arrive, tu commences à m'insulter, direct. Mais je t'ai pas insulté, gros, je connais ton live, gros, en plus, je voulais te raid. On peut te laisser, tonton, tu gères. Tu veux pour péter tes couilles, tu ou pas? Non, j'ai absolument rien fait, hein. C'était un raid pas mal, c'était bienveillant, hein. Je m'en bats les reins. On balaye rien, tiens, hop, mon pote il me l'a passé, il te connaît, j'ai un partage d'écran Discord. Mais gros, on voulait te faire une surprise, gros, tu savais pas ce que c'était en fait, mais t'es. Ouais, il m'a fait ban Twitch. Mais t'es ban là. Arrêtez pas, mais gros, j'en bats les couilles, gros, t'avais qu'à contrôler ton chat. T'es un vieux gars. Vas-y, allez. À droite, tous les trois, c'était. Ça venait de lui. Mais non, mais c'est d'autres gars qui. Mais c'est pas possible, mais reviens, gros, mais il est sérieux là? Viens. Eh, mais je suis désolé, je suis vraiment désolé, gros. Hein. On a rigolé, je pensais qu'on allait troller ensemble. Bah, à la base, oui, je voulais faire un petit troll. Voilà, c'est un gamin. T'es sérieux, frère? Entre streamer, tu fais ça? T'as pas honte? Bah, désolé, gros. C'est moi qui vais aller sur ton live, c'est moi qui vais te signaler et je vais demander à ma commune Discord de te signaler. Maintenant, tu vas taper ton ban, le lien il a été envoyé, tu peux supprimer ta rediffusion, c'est pas grave, tu vas prendre ton ban. Par contre, évite de faire ça, mec, de faire un contre-signalement parce que ça peut vite se retourner contre toi. Évite de faire ça, mec. C'est que le Twitch, il récorde tout. Bon, déjà avec moi, après tu me dis de m'excuser, mais baisse ta mère. Bon, vas-y. C'est un ouf, lui. Attendez, il s'est passé quoi? En gros, je voulais le raid, il y a des mecs qui ont fuité son live et en gros, il y en a qui sont allés sur son chat, il a pas modéré, il y a eu certainement des croix gammées, des trucs comme ça, et il a pas modéré, il s'est fait ban, il s'est fait signaler ban direct. Entre streamer, tu fais ça? Attends, je vais t'enculer, fils de. Oh, je vais t'enculer, ce bâtard. J'en ai marre. Désolé, j'ai pas fait exprès, désolé. L'autre qui arrive, le seul cas, il le mine patate. Et je suis stressé, beau gars, je suis stressé. Je suis désolé. Me tue pas, s'il te plaît, me tue pas. Non, mon gars, arrête. Oh, je suis un salope. Bon, bah, juste, je vais couper mon live parce qu'il va peut-être me signaler, je vais m'expliquer avec lui sur Discord. Ça te dérange pas, merci en tout cas d'avoir fait les efforts de... Attends, au cas où, envoie ta chaîne. Je la drop sur Discord, normalement tu la verras dans le général. Par contre, pourquoi tu te prends comme ça, gros? Me frappe pas, t'es sérieux là? Faut arrêter. Ah bah tu sais quoi, vas-y, bah, viens, va niquer ta race alors, chais ton ban, chais. Allez, il se barre, vas-y. Bouffon, va. Ta chaîne là, t'avais quoi? T'avais à peine 20 viewers, je voulais donner de la force. Vas-y, casse-toi, c'est pas comme si t'allais percer un jour. Vas-y, dégage, je vais faire des TikTok, casse pas les couilles. Vas-y, viens, on y va, Gori. Mais je vais tank! Et alors, toi, c'est bon, eh. C'est la fin, c'est bon. Je suis mort, c'est bon. Notre triste, je suis victime. Rattrape-le, il est où là? Je sens, ça va me tuer, au cas où. Rattrape-le. Il est où? Ah! C'est bon.
Et c'est quoi ta chaîne? Ah oh, putain, attends, deux secondes, je suis en scène, je suis en live là, attends deux secondes. Ben voilà. Et attends, Zach, on a une leçon de morale de baiser. Oh, vraiment, désolé. Ouais, c'est bon, les gars, merci, hein, merci d'avoir géré, les gars. Je reprends mon perso et le mec, apparemment, il y a un mec qui a été ban Twitch ce soir là. Viens. Par contre, ça, je suis fou, mais par contre, j'aime bien. Là, c'est gentil. Content, là. Merci, en tout cas, votre OG, il a géré, il a apaisé la situation. Et vous avez. Il y en a qui ont fait de la merde et ils ont reconnu leur erreur. Vas-y, je me tiens. Vas-y, t'entends, bon jeu. Viens avec moi, Buton, viens.